forced labor are at an end. In Strasbourg, Alsatian capital, the historic cathedral shows the effects of the heavy fighting between the Germans entrenched in the city and General Patch's 7th Army. German-speaking Alsatians were never converted to Nazism. Many died fighting for their city. Ils sont agréables en cette saison avec une clim. Sont assez classiques, on fait à peu près les mêmes en France à la même époque. Du point de vue de la ferme, c'est ce qu'on appelle une lunette aplatie, donc ça, ça nous rappelle Vauban complètement, les bastions, etc., les fossés. Donc côté ville, on aura toujours une grande caserne de 2 étages pour les 930 hommes de garnison de temps de guerre. Il faut bien comprendre qu'un fort comme ça, en temps normal, en temps de paix, il est vide, parce qu'il ne sert qu'en cas de guerre. Et donc, sur l'avant, moi je suis côté ennemi, et sur les flancs, on a les positions de canon. En dessous, on a donc les locaux d'artillerie où on remplissait les munitions, les poudres et les charges propulsives. Et sous les 2 flancs, le 3e étant ici, on a les 3 magasins à poudre de guerre, qui eux aussi ne servent qu'en cas de guerre. En fait, en temps de paix, il y avait à l'arrière du fort des hangars en colombage dans lesquels on stockait les canons démontés et la poudre à canon. Et la nourriture. Donc, c'est dans ces locaux. Donc, on dit ce fort a été construit à l'aide de la poudre noire. La poudre noire, elle est faite à base de soufre, de salpêtre, de charbon. Elle a 2 gros inconvénients. Premièrement, elle craint énormément l'humidité. Si elle est humide, elle ne fonctionne plus. Et les deux inconvénients, elle est assez dangereuse, hein, le moindre étincelle, ça explose. Contrairement à la poudre chimique, qui elle a plutôt tendance à brûler. Donc cette poudre noire, l'obus n'était pas tant le souci. Puisque finalement, l'obus c'est quoi? C'est un conteneur métallique, je mets un joint, c'est étanche. Le problème, c'est la charge propulsive, ce qui va faire partir l'obus. À l'époque, contrairement à l'obus qui est là, qui date de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas encore des douilles métalliques. C'était ce qu'on appelle les gargousses. C'est quoi les gargousses? Ce sont des sacs de toile remplis de poudre. Or, la toile, bah, c'est pas étanche. Ça va prendre à aspirer l'humidité et la poudre qui est dedans est humide. Donc, du coup, ça marche plus. La seule façon ici de stocker durablement de la poudre, c'était dans des tonneaux ou des caisses bien hermétiques. Donc, en fait, ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on remplissait les obus de poudre, mais aussi, comme ici dans la vitrine, de billes de plomb, ça s'appelle de la shrapnel. Et on remplissait les gargousses. Ensuite, on passait tout ça. Donc ici, un camarade me passait l'obus vide, là-dessus. Et ensuite, on passait le tout par l'autre ouverture dans la pièce suivante. Il y avait le bon de charge qui permettait d'envoyer ça au canon. Donc celui-là, c'est un obus avec une fusée à retardement. Je ne sais pas, vous voyez une spirale là-dedans. Et vous voyez les petits trous. En fait, chaque trou correspond à un minutage. En fait, ce qu'on faisait avec, en fait, il y avait une machine pour ça. Il y avait une espèce de pointeau. Quand on avait réglé la machine, qui sortait, qui rentrait dans le trou correspondant. Et qui, en fait, coupait la mèche. Et du coup, quand le coup partait, la mèche se mettait à brûler, mais comme elle était plus ou moins courte, l'obus explosait donc en l'air. Ça, c'est pour des obus à shrapnel, c'est-à-dire ces obus qui sont remplis de poudre et de billes de plomb. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que cet obus, donc, il part, et quand il redescend, il explose, et en fait, il envoie une cargaison de billes de plomb vers le bas. Ça, c'est redoutable, notamment dans des soldats qui sont dans des tranchées. Donc on peut voir, bon, c'est un peu plus difficile, 1, 2, 3 rampes qui servent à hisser les canons sur le rempart. Comme déjà dit, un fort comme ça, en temps de paix, il est complètement vide, pour une bonne et simple raison, l'humidité. Comme ça, c'est très humide, donc tout ce qu'on y stocke durablement, ça va rouiller, ça va pourrir. Donc, à la déclaration de guerre, on va préparer le fort. De toute façon, l'ennemi ne sera pas là après-demain, donc on a le temps, on a 2-3 semaines devant soi. Et donc, il s'agit de mettre en place les canons, de rentrer la poudre, de rentrer la nourriture. Bon, les forts étaient entretenus, donc il n'y avait pas de forêt, contrairement à aujourd'hui. Hein, la forêt a poussé par l'abandon du site. D'ailleurs, la colline de Horsbergen, au départ, n'était pas du tout boisée. C'était une colline avec beaucoup de vignes, d'ailleurs. On voit encore à certains endroits les traces des terrasses de ces anciennes vignes et des prés, en fait.
Alors, le fort a été construit entre 1872 et 1875 dans le cadre de la modernisation des fortifications de Strasbourg, puisqu'en 1870, lorsque les Allemands récupèrent Strasbourg, ben, peu ou prou, Strasbourg, encore les fortifications, il était de Vauban. Entre temps, l'art de la guerre a un peu progressé, surtout la portée de tir des canons, ce qui avait d'ailleurs permis aux Allemands de s'installer dans un arc de cercle qui allait de Schildkheim jusqu'à Königshofen, et de là, ils ont pu bombarder toute la ville. Ce qui fait que des quartiers entiers ont été détruits, faubourg de Pierre, faubourg national, faubourg de Saverne, complètement rasé, quasiment. Le toit de la cathédrale a brûlé pendant ce siège, et surtout la bibliothèque municipale a brûlé. Ce sont 400 000 livres réduits ensemble, purement et simplement. Et donc les Allemands, eux, ils en parlent au chaud, hein, c'est un moment qu'on le sait, décident de placer les canons qui doivent défendre la ville dans des ouvrages indépendants à 7 km en avant de la ville, c'est la portée de tir des canons de l'époque, c'est en fait des forts. Alors ici dans cette pièce, on est exactement à une altitude de 183 mètres au-dessus de la mer du Nord. Ce puits fait 40 mètres de profond, c'est-à-dire qu'il traverse toute la colline jusque sur la pratique. En fait, c'est pas un puits avec un seau comme dans les châteaux forts, c'est en fait une pompe qui est fixée le long du mur avec des clapets. Et donc il y avait ici non pas ce petit moteur électrique, mais un petit monocylindre vertical, petit moteur diesel avec un seul piston, qui, comme 12 litres de cylindrée, hein, gros piston quand même, mais qui tourne très lentement, hein, 250 tours minute maximum, mais ça suffit à actionner ses courroies et donc à actionner la pompe pour pomper de l'eau. La ville de Strasbourg est un camp retranché parfaitement protégé derrière sa ceinture de fort. C'est donc un ensemble, c'est une chaîne défensive complète. Donc ce fort, nous sommes ici, hein, fort frère, à l'époque fort Großherzog von Baden, fort du grand-duc de Bade, n'est qu'un maillon de cette chaîne. En fait, ce fort peut tirer à 7 km aussi vers le sud et vers le nord. Ça veut dire que ce fort tire par-dessus son voisin, par-dessus le voisin de son voisin, jusqu'ici à Ingolsheim. Ingolsheim est là. Au nord jusqu'à Ingolsheim. Et à l'ouest jusqu'à Quatzenheim. Donc vous voyez toute la surface couverte par les canons d'un de ces forts. Un fort comme ça va être attaqué en deux phases. Premièrement, le fort, lui, avec son artillerie, doit empêcher en tirant que l'ennemi puisse installer ses canons. Il arrive un moment où l'ennemi arrive comme à le faire. Donc on va commencer à bombarder le fort pour détruire son artillerie, faire un maximum de dégâts. Ça peut durer des semaines. Après cette préparation d'artillerie, l'ennemi va envoyer son infanterie prendre le fort d'assaut. C'est l'assaut d'infanterie. Et donc là, il y a une succession d'obstacles, on les verra d'au-dessus, même si là, l'été, on va un peu moins bien. Il y a plusieurs fossés, il y a des grilles d'assaut, il y a des murs pour empêcher que les soldats arrivent là. Mais si les soldats arrivent ici, de toute façon, le combat est fini. Bon, là, il est découvert parce que, un, on le restaure, et deux, ça permet mieux aux gens de comprendre comment il est fait. Mais il faut imaginer qu'il est enterré, il n'y a que la partie par laquelle on regarde qui sort. En fait, ce sont quatre grosses pièces de fonte durcie. Une, deux, trois, et encore une plaque derrière, quatre. Ils sont enchâssés dans une carapace de granit. Ça, c'est du granit. Ce sont des blocs qui sont de champ. Hein. Ils descendent de 1 mètre. Donc, c'est une véritable carapace. C'est un observatoire modèle 1887, installé ici en 88. C'est le premier observatoire cuirassé allemand. C'est d'ailleurs le premier blindage allemand. À ce moment-là, c'est encore de la fonte durcie. Parce qu'effectivement, M. Krupp ne sait pas faire de l'acier dans ces diamètres-là. Et en plus, à ce moment-là, on ne fait pas encore suffisamment confiance au béton pour des éléments aussi exposés. On préfère réutiliser encore un matériau naturel plus dur d'ailleurs que le béton, qui est le granit. Il faut imaginer que quand on vient de l'extérieur, on va d'abord monter une pente et il y a un premier fossé qui fait 2 mètres de profond. Ce fossé, il est rempli d'un réseau de fils de fer. Je dis fils de fer parce qu'au départ, il n'est pas barbelé. C'est simplement un réseau à trébucher. C'est comme ça que disent les Allemands. Derrière ce réseau, il y a le talus de terre que vous pouvez deviner derrière la grille. Vous voyez, il y a un talus, il y a un creux, c'est cet avant-fossé. Donc, ce talus, c'est la position d'infanterie du fort. C'est là que l'infanterie du fort prend place pour le défendre. Derrière eux, on a la grille d'assaut. Les grilles sont courbées vers l'intérieur. C'est pour éviter qu'un ennemi qui passe par-dessus la grille soit contre le mur. La grille l'éloigne, donc c'est plus compliqué pour pouvoir descendre sans corde. Ensuite, le fossé principal, 8 mètres de profond, 12 mètres de large, lui aussi complètement tapissé de fils de fer. Sur le fond. Ensuite, un mur de défense qu'on appelle mur de Carnot, invention française, hein, cocorico. Et ensuite, le talus de terre proprement dit, qui est le rempart. Donc, 45 degrés d'inclinaison et à mi-hauteur, lui aussi, rempli d'un réseau de fils de fer. Les Américains utilisent ce fort quelques jours autour de Noël, avant de poursuivre l'invasion de l'Allemagne. Et en 1945, ce fort, c'est le seul de Strasbourg,
va recevoir un troisième nom. C'est un peu raison que Fort Pétain en 45, c'est plus trop à la mode en France, pour la raison évidente. Et donc ce fort va prendre le nom, son nom actuel, qui est nom de Fort Frère, Fort Aubert Frère. Aubert Frère, général, était en fait le gouverneur militaire de Strasbourg en 1939. Il est le général de division et commande un certain colonel de Gaulle lors de la bataille de France de 40. Et c'est ce qui lui vaudra d'être le président du tribunal qui va condamner de Gaulle pour haute trahison par contumace. Mais en 1942, Frère crée l'ORA, l'Organisation de Résistance de l'Armée. Malheureusement pour lui, le 23 juin 1943, il est arrêté à Lyon par la Gestapo, dirigé à l'époque par un certain Klaus Barbie, je parle de lui, et il mourra un an jour pour jour, le 23 juin 1944, au camp de concentration de Natzweiler, donc Struthof, en Alsace, de maladie. Sa femme, elle, a été déportée à Ravensbrück, elle en est revenue par contre. Faut imaginer que les canons de ce fort, lorsque le canon est à l'horizontale, il passait au-dessus du talus terre qui est là. Donc vous voyez, ils sont très hauts. Donc ce canon, il est quand même intéressant. Parce que ça me permet de rappeler aux gens qu'un canon de la Première Guerre mondiale, il a des roues en bois, cerclées de fer. Et ce canon-là, il pèse quand même déjà 2200 kg, 2 tonnes 2. C'est-à-dire qu'un canon comme ça, vous ne voulez pas travers champ. Il roule que sur une route en dur. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça permet d'expliquer aux gens qu'un fort comme celui-là, il n'a pas besoin de tirer à tous azimuts. Il doit juste pouvoir tirer sur les principaux carrefours, les principales routes d'accès à la ville. Et il empêche toute approche. Mais on ne va pas se mentir, il arrive un moment où les artilleurs ennemis arrivent à installer leur canon et commencent à bombarder le fort. Et là, on voit qu'on est sans aucune protection. Donc, qu'est-ce qu'on fait les artilleurs ici? Eh bien, ils vont aller s'abriter dans ce bâtiment qu'on appelle une traverse-abri. Ça peut durer un certain temps. Et une fois que l'ennemi s'arrête, c'est là qu'il va envoyer l'infanterie pour attaquer le fort. Mais comme les soldats qui étaient en dessous étaient parfaitement protégés, c'est bien protégé, eh bien, ils vont maintenant sortir avec les armes d'infanterie pour défendre le fort contre un assaut. On a un nom de charge, un panier. Cette partie-là se lève. C'est un peu coincé, là, oui, maintenant. On met l'obus, la garbousse, et vous voyez que donc ici, il n'y a pas de fusée dessus. Il y a un simple bouchon, pour éviter que, si on le renverse, ça ne se vide pas, mais il n'y a aucun danger. Et donc, il y a un panier qui monte, un panier qui descend. Ça pourrait paraître un peu primitif, mais comme dit, avec la cadence de tir moyenne de 4 coups par jour, ça suffit amplement. En fait, toutes ces pièces au train de la poudre sont surventilées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que ces pièces restent sèches. Donc on va jouer sur le point de rosée. C'est quoi le point de rosée? C'est la température à laquelle l'air extérieur, surtout l'été qui est humide, va commencer à se condenser et à faire de l'eau sur les murs. C'est le coup classique du frigo qu'on ouvre et qu'on ferme l'été et qui ruisselle d'eau. Donc si vous regardez bien, en fait, ces voitures, elles sont reliées verticalement et horizontalement. Si vous regardez... Alors, les obus chimiques n'apparaissent que pendant la Première Guerre mondiale, en fait principalement dû à un manque de poudre de la part des Allemands. Et donc ils gardent la poudre finalement pour la charge propulsive, pour envoyer l'obus. Et en fait, c'est la chimie allemande qui a l'idée de leur dire on peut mettre des substances chimiques à la place de la poudre, notamment des gaz. Et donc, c'est à la bataille d'Ypres, pour la Première Guerre mondiale, que pour la première fois, on se livre au combat de gaz. Ici, non, quand ces forts sont construits, ce sont des obus soit explosifs, soit des obus à shrapnel, donc qui contiennent de la poudre et des billes de plomb. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ce fort et à vous l'approprier? Alors, on ne se l'est pas approprié, il ne nous appartient pas, il appartient à l'État, comme dit. Je pense c'est variable selon les bénévoles, mais je pense un des facteurs les plus qui revient le plus, c'est aussi le cas pour d'autres associations, je pense à mes camarades de Mundelsheim, c'est qu'à un moment les gens voient un patrimoine, un monument se dégrader année après année, livré à des incivilités, livré à la nature qui reprend ses droits, et à un moment on a envie de faire quelque chose, on a envie de sauver, comme dit, ces vieilles pierres. Et donc, on s'investit, comme d'autres s'investissent sur des châteaux forts, sur du patrimoine religieux, du patrimoine industriel. Et on retrouve ses manches et on s'y met, quoi. Et après, effectivement, on veut quand même comprendre, finalement, le bâtiment dont on est en train de s'occuper. Donc, on cherche des documents, on cherche des photos. Et petit à petit, on retrouve un tableau d'ensemble, un peu. Et finalement, on arrive à voir ce qu'on voit aujourd'hui grâce à une maquette. Mais au départ, qu'on ne voit pas. On voit juste un morceau de mur avec des arbres. Aujourd'hui, il y a Google, donc c'est un peu mieux, mais même de Google, on voit une tache verte remplie d'arbres. On voit juste le tracé du fossé, ce qui montre à quel point le fossé le trahit, le fort. Mais
comme dit, effectivement, il nous a fallu 15 ans pour réellement comprendre, dans le détail, dans la finesse, l'objet qu'on avait sous nos yeux. Donc c'est un fort qui est ouvert au public, effectivement, de mai à novembre, tous les premiers dimanches du mois, et en fait, de juillet à septembre, c'est tous les dimanches, vis guidée à 15h et à 16h, donc en français. C'est 4€ pour les adultes. Pour les 12-18 ans, c'est 2€, et en dessous de 12 ans, c'est gratuit. Donc, généralement, une famille, elle s'en sort à 8€. Et c'est quel genre de public qui vient visiter le fort ? C'est tout public. C'est vraiment tout public, c'est du public familial, c'est aussi des passionnés d'histoire militaire, c'est des locaux comme des étrangers, on a déjà eu des gens de pas mal de pays d'Europe. Le mur en pierre rouge, c'est le mur de 1875, et on voit le larmier en grès qui le couronnait, et on avait un talus en terre qui montait à 45 degrés. En 1879, on décide d'élargir le rempart et on remonte donc le mur avec cette brique jaune et un deuxième larmier. Et en 1887, ces locaux-là ont été renforcés. Donc on a redécaissé, on a mis derrière la brique jaune le sable et par-dessus, donc, ici à 45 degrés, la dalle de béton de 1m20. Donc rien que sur cette partie d'édifice, on a trois phases. Et donc au final, ce fort n'aurait jamais servi. Bah, tout dépend de ce que vous appelez servir. Parce qu'aujourd'hui, la France a des bombes nucléaires dont elle ne se sert pas, mais elles servent quand même. C'est le concept de dissuasion nucléaire. Et donc ces forts, ce sont en fait des armes de dissuasion du 19e siècle, où effectivement, avec ces grandes places fortifiées, on essaie que l'ennemi n'attaque pas ces villes, et on essaie de contraindre l'ennemi finalement à mener la guerre sur le champ de bataille qu'on avait choisi. Donc effectivement, un fort finalement a servi lorsqu'il n'a pas tiré. C'est tout le paradoxe, mais en fait, c'est pas si paradoxal que ça. C'est comme aujourd'hui, les bombes nucléaires servent à condition qu'on ne s'en serve jamais. C'est exactement la même chose.